Bonsoir chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, soyez les bienvenus sur La Voix de Djibouti. Ce soir, dans notre émission Aide du continent, nous allons vous parler du Sénégal. Nous avons entendu beaucoup de choses sur ce qui se passe au Sénégal et nous nous posons cette question le Sénégal est-il encore un pays démocratique Pour nous répondre, nous avons journaliste fondateur du média Can use. Ibra Rati NDI. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci la voix de Djibouti de nous avoir donné l'occasion de, de parler du Sénégal et de l'actualité euh, pour l'Afrique euh, d'une manière générale. Merci euh, Ibra. Vous avez créé une grille. Mais avant de parler de cette grille, il y aura des élections 25 février 2024. Ma première question est. Dans cette élection, il y a combien de candidats? Euh, pour le moment, la dernière fois que je vais jeter un coup d'œil, euh, ils avaient dépassé, si ma mémoire est bonne, 200 candidats. Mais il faut savoir qu'il euh, y a le système de parrainage qui va permettre aussi de filtrer ce nombre de candidats qui est très élevé. Euh, C'est l'occasion aussi de, de, de souligner que euh, certains candidats, dans le passé, avaient déposé des recours auprès euh, de la Cour de la CDAO. Pour contester l'existence de ce parrainage qu'ils considèrent comme étant discriminatoire. Et là, la cdao les avait donné raison. Normalement, le régime, en tout cas les autorités des sénégalaises, devaient appliquer cette décision de la cdao et ne pas utiliser ce système de parrainage. Euh, ce système de parrainage, nous avons entendu euh, dans plusieurs médias, même sur les réseaux sociaux, ça fait couler beaucoup d'encre. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous, pour nous expliquer en quelques mots, en quelques phrases à quoi consiste ce système de parrainage Comme son nom l'indique, euh, le parrainage, il y a deux façons, deux catégories de, de, de parrainer un candidat. Soit en fonction des nombres de députés, soit c'est les électeurs qui parrainent avec leur carte dentée, les électeurs, bien sûr, qui sont inscrits euh, à, à l'élection, qui peuvent voter. Donc, c'est eux qui décident avec le carte d'entrée de parrainer un candidat. Ce qui lui permet, en fait, avec un nombre euh, bien déterminé de nombre de parrains, de, de pouvoir participer à la présidentielle. Maintenant, il faut savoir qu'il euh, faut aussi qu'il n'y ait pas de doublons. Il peut y avoir des erreurs qui font qu'après, ça peut amener encore d'autres problèmes. Et des candidats peuvent être recalés ou en tout cas rejetés leur parrainage. D'accord. Et vous, ce que vous avez créé, ces systèmes de gris pour rationaliser le vote, ça quoi consiste euh, la grille euh, c'était une idée dans, dans tout, tout projet il y a d'abord une personne qui a une idée euh, donc c'est j'ai eu l'idée Je n'ai bien travaillé avancé, et avec la collaboration aussi de notre compatriote sénégalais Raymond Semedo que je salue au passage qui est un grand bibliothèque de la diaspora euh, qui a aussi vraiment participé à l'élaboration de cette grille à quoi consiste cette grille je l'appelle gepi gepi ça veut dire cela veut dire grille d'évaluation du président idéal c'est ça son nom. L'abréviation, ça donne GEPI. Euh, GEPI, c'est très simple. N'importe quelle personne peut être chez lui et se dire Je rêve d'un pays idéal, un chef d'État, un président de la République idéal. Il doit être commun. Donc, c'est ça le socle. Mm. Une fois que vous êtes qu bien posé cette question, que je me suis posé cette question, je suis parti sur la démocratie. C'est quoi une démocratie Une démocratie, il y a des piliers, il y a des institutions. Donc, euh, on a croisé le portrait du président idéal avec les fondements d'une démocratie, la justice. Et de là, on essaie d'évaluer le candidat dans le long terme. Par exemple, on prend le candidat X. On voit son programme. Dans un guépi, il y a 60 éléments. Et chaque élément, maintenant, l'électeur doit pouvoir noter le candidat. Est-ce que son charisme, il y a un point, il faut le noter. Son respect. Vis-à-vis -vis des institutions. Euh, Ces capacités à lutter contre euh, l'insécurité. En fait, tout ce qu'on attend d'un président de la République pour un pays, ils sont les éléments soldats. Maintenant, c'est à l'électeur de voir, en fonction euh, du passé du candidat, parce que euh, souvent, il y, y a quelque chose de très important aussi, le respect de la parole donnée. Mmh. On a un candidat, par exemple, X, qui, durant toute sa vie politique, n'a fait que trahir les électeurs n'a jamais respecté sa parole grâce à GEPI, il y a une partie qui permet aussi à l'électeur d'évaluer ce candidat et dire le candidat X euh, depuis que je le connais est-ce qu est -ce que c'est un homme de parole est-ce que je peux lui faire confiance là l'électeur, le, le point est bien défini euh, notez ce candidat mmh. et on passe à autre chose ainsi de suite, ainsi de suite tous les éléments sont expliqués dans la grille c'est à l'électeur maintenant de voter, de noter, de noter d'évaluer objectivement le candidat ce qui permet demain d'avoir des candidats propres entre guillemets donc c'est une manière de euh, noter mm -hmm. les différents candidats exactement et euh, ça peut servir comme un système de sondage euh, on, peut, on peut dire on peut le, en fait on peut dire que c'est un système de sondage euh, car il permet d'une manière générale par exemple moi j'ai 10 candidats j'ai 200 candidats c'est beaucoup mais imagine mm -hmm. que je prends 10 candidats et ces 10 personnes, je, je suis chez moi, j'hésite, je, je je... sur les 60 points qui existent dans le gris, qui a les meilleures notes. Mm. Donc, vous pensez que mm. euh, ce gris peut matcher avec l'élection euh, présidentielle Gris, gris, c'est une, euh, une grille universelle. Demain, Djibouti, on a une élection présidentielle. Mm. On prend les candidats euh, chez vous, on prend les éléments de base et ça nous permet là aussi de noter. Après, le contexte, ça peut changer. C'est mmh. bien indiqué que, que, par exemple, je donne un exemple. Lorsqu'il y a, selon le contexte, il y a des éléments qu'on peut euh, qu'on peut adapter. C'est normal. Dans cette grille, il y a aussi ces éléments qu'il faut contextualiser selon le pays, selon l'actualité ou selon, en tout cas, les enjeux du moment. Et mmh. Ce qui est normal. Si on revient un peu sur le Sénégal et la situation actuelle, euh, nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle. Le monde entier, en tout cas, a les yeux rivés sur le Sénégal. On se pose des questions. Est-ce que ces élections vont être inclusives Est-ce qu'elles vont se dérouler dans le calme, dans la paix Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'état du Sénégal Il faut repartir sur votre question, qui est une question très importante à savoir, là, le Sénégal est-il encore aujourd'hui une démocratie Et une démocratie, ça ne se juge pas sur des paroles en l'air ça mmh. se juge sur des critères. Aussi, là aussi, on revient presque à la grille. Une démocratie, ça, juge, ça se juge sur des faits réels. C'est quoi les faits réels quand on parle de démocratie, on parle de la liberté de la presse. On parle de, de, du respect des droits des citoyens. On parle de la liberté de manifester selon la Constitution. On parle surtout de l'indépendance des institutions. De l'indépendance des institutions et de la séparation des pouvoirs. Jusqu'ici, dans n'importe quelle démocratie, on ne peut pas dire qu'il y a une démocratie s'il n'y a pas de séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire. On ne peut pas dire qu'il y a une démocratie lorsque, moi, journaliste, je dis ce que je pense et on m'amène en prison. Ça, c'est du jamais vu. Et depuis un moment, avec le régime actuel au Sénégal, on est arrivé au moment où de nombreux journalistes font des va-et-vient en prison parce qu'ils disent ce qu'ils pensent, ou ils donnent des, des, parce qu'ils donnent des idées, ou ils s'expriment des idées qui sont à l'opposé du régime. Et donc, qu'est-ce qu'on voit on les amène en prison. Il n'y a pas que les, les journalistes, il y a aussi les religieux, il y a toutes sortes de personnes. Avec le régime de Macky Sall, il y a certains détenus politiques, mais il y a d'autres. Ce sont des journalistes, des médecins. Beaucoup de personnes ont fait la prison sous Macky Sall. Pour moi, ce qui est inadmissible. C'est juste Macky Sall ou euh, le modèle du, du Sénégal, parce que pour l'Afrique et surtout pour le, le monde euh, francophone, mm -hmm. le Sénégal était un modèle de démocratie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à cet état de choses Vous savez, la démocratie, c'est comme souvent je dis, on va prendre l'exemple de l'islam. Je donne juste l'islam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a tracé la voie, il a dit des choses. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des musulmans qui prennent des mitraillettes, qui tuent d'autres, au nom de l'islam. Est-ce qu'on va insulter tout l'islam parce qu'il y a deux petits cons, entre guillemets, qui font des conneries il y a des policiers qui font bien, bien leur travail. Parmi ces policiers, il y en a d'autres qui sont des ripos. Mm. Donc malheureusement, les rares policiers qui font des conneries vont salir toute l'institution. On prend aussi une démocratie aujourd'hui comme le Sénégal qui jusqu'ici était une véritable vitrine euh, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, ou, citée en exemple partout dans le monde, mais malheureusement euh, sous le régime de Macky Sall, on voit des choses inadmissibles encore une fois. Euh, normalement la liberté de manifester, c'est dans la constitution. Plusieurs, depuis plusieurs mois, pendant plusieurs mois, à chaque fois que l'opposition déposait une demande pour pour manifester, on les interdit. Il n'y a pas que ça. On a vu des manifestations euh, où sérieusement. Quand dans, des, dans une manifestation, il y a plus de 80 morts ou même 20 morts. Imagine, en France, il y avait une manifestation, il y a 30 morts. Vous pensez que le ministre de l'Intérieur va rester là-bas deux jours? Et alors qu'il y a des manifestations, on voit plusieurs morts. On a aussi des manifestations, on voit certains policiers, il ne faut pas généraliser encore une fois, prendre des enfants comme des boucliers humains. Ce qui est inadmissible là aussi. Alors, ce qu'on entendait, si j'essaie de le sénégaliser, une démocratie, c'est que ça fait mal au président Macky Sall cette chose là, qu'on le voit ou son ministre faire parler réellement au Sénégal et donner des sanctions aux personnes qui ont donné ces ordres ou aux personnes responsables. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a aucune sanction. Et les mêmes ministres de l'intérieur qui étaient là pendant ces manifestations ont resté après cinq mois, après six mois. Vous êtes d'accord avec moi que dans aucune démocratie au monde, un ministre de l'intérieur ne va pas venir encadrer des manifestants. Des manifestations et qu'il y a eu autant de morts et qu'après il reste au pouvoir, c'est pas normal. Pourtant, c'est pas une euh, bonne nouvelle que le président Macky Sall a respecté euh, de s'est retiré au bout de deux mandats. Parce que ce, qui est, ce qui a été fait, c'est que c'était quelque chose qui est historique. Euh, Aujourd'hui, dans bon nombre des pays africains, les présidents euh, en exercice continuent un troisième mandat, cherchent un troisième mandat. C'est pas le cas du Sénégal, parce euh, que c'est bon. toujours un modèle de démocratie. Bon, euh, c est, c est, c est, ce fait-là est interprété selon la position qu'on se trouve. Pour oui. les, pour, vu qu'il n'y a pas de débat contradictoire sur l'invité, moi, j'ai mon avis sur le, le régime de Macky Sall. On va dire la vérité. La vérité, c'est que ceux qui sont avec Macky Sall euh, pensent que c'est un messie. Il a fait ça, il a respecté. Mais par contre, d'autres personnes oui. se basent aussi sur des faits réels pour dire que. Il n'a pas fait de libre choix, ou il l'a fait au dernier moment parce qu'il n'avait pas le choix, parce qu'il a parlé avant partout qu'il n'allait pas faire de troisième mandat. Maintenant, malgré tout ça, malgré les textes, l'article, si je me rappelle, 27 de la Constitution, si je ne me trompe pas, dit mmh. que nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Alors qu'on a vu tous les gars du régime de Macky Sall essayer de, de, pendant très longtemps, de, dé, de déformer cette réalité, en tout cas ce texte, pour dire que euh, ce n'était pas le premier mandat, c'est le deuxième mandat. Et puis, pourquoi je dis que Macky Sall n'a pas fait de son propre gré ou en tout cas il n'a pas, pas cédé à ce deuxième mandat parce que c'est un bon républicain Vous pensez que si parce qu'on a vu juste quelques jours avant qu'il fasse sa déclaration réunir tous les maires de son parti qui sont venus de partout au Sénégal qui voulaient le pousser à faire un troisième mandat. Donc si vous vous êtes président de la République mmh. que tu vois tous les maires de tout le pays venir gaspiller de l'argent pour te dire que tu vas être troisième mandat et que tu sais que toi tu avais déjà décidé que tu vas pas faire troisième mandat. Est-ce qu'il y a besoin de gaspiller de l'argent pour cette pour te faire ce genre de rendez-vous cette, cette, ou ce genre de publicité Donc, vous dites qu'il ne l'a pas fait à son plein gré. Moi, c'est mon interprétation. Moi, je pense qu'il l'a fait parce qu'il n'avait pas le choix, parce que tous les Sénégalais, de nombreux Sénégalais étaient opposés à ce troisième mandat. Mmh. Et qu'au Sénégal, il y a les ambassadeurs. Vous savez, les ambassadeurs et les consulats, les intérêts mmh. des uns et des autres font qu'ils savaient que s'ils voulaient aller à un troisième mandat, ça pouvait euh, encore amener au Sénégal dans une situation encore plus chaotique. Mm. Donc, je pense que vu qu'il n'avait plus le choix, il, il a respecté sa parole et ne pas faire un troisième mandat. Euh, Est-ce que euh, pour autant mm. Macky Sall a quitté le pouvoir Encore une fois, chaque parti a sa façon de fonctionner. Mais mm. on est d'accord que euh, lorsque le président Obama a quitté le parti euh, les, les, euh, les Démocrates aux États-Unis, lui-même, il n'a pas choisi son dauphin pour dire que c'est un tel X qui va me remplacer. En France, lorsque François Mitterrand, euh, Mitterrand c'est loin, on va donner l'exemple de François Hollande, lorsqu'il quittait le pouvoir, il n'a pas lui-même imposé son candidat. Mm. Chaque parti que je viens de donner dans ces pays respectifs a organisé des élections internes, des primaires, et les électeurs eux-mêmes choisissent. Qui doit succéder ou qui doit aller au combat ou en tout cas représenter le parti. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi euh, Macky Sall lui-même doit désigner une personne pour qu'il euh, en fait euh, imposer son candidat à savoir Mouché Amadouba qui est le premier ministre depuis plusieurs années qui est responsable aussi du bilan de Macky Sall que que beaucoup de Sénégalais même ne connaissent pas et que beaucoup de Sénégalais considèrent que il est en lien avec certaines institutions et que c'est pas voilà les Sénégalais moi dans cette élection comme beaucoup de Sénégalais euh, ce qui est déplorable ce qui est regrettable c'est que c'est aux électeurs de choisir librement qui va, qui vont demain, en tout cas, aller aux présidentielles. Et on a vu que, on, on voit que ce n'est pas le cas. Ce qui est triste et déplorable pour un pays comme le Sénégal, c'est que à cause de ce débat nauséabond, de ces problèmes de, de passifs, de prisonniers, de ceci, ce, cela, les Sénégalais ne peuvent même pas se concentrer sur l'essentiel, à savoir euh, des débats euh, démocratiques, libres, sur le programme de chaque, de chaque candidat. Il y a des candidats, cette histoire d'instabilité de, 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 fait que les Sénégalais ne sont, pas, ne sont même pas libres de d'aller à l'essentiel, à savoir il y a un candidat A, ah, il y a un candidat B mais Macky Sall a tellement son passif et que les, les, les autres candidats c'est comme s'ils n'existe pas d'habitude au Sénégal c'est pas comme ça juste euh, je vais revenir sur un point, vous êtes journaliste mm -hmm. lorsqu'on regarde le reste du monde euh, les journalistes du monde ne posent pas de questions mm -hmm. au président sur le dauphin euh, les questions de dauphin viennent en Afrique, lorsque des journalistes euh, occidentaux plutôt euh, posent des questions au président euh, en RC6. Comment vous interprétez ce cette, euh, cette, euh, genre de questions ou ce genre de, de formules Moi je dis souvent que le respect se mérite. Euh, les Africains euh, sont, des, sont, sont, sont des grands. Vraiment, l'Afrique, il y a des institutions, il y, y a la société civile, ça bouillonne d'idées. Euh, je trouve, encore une fois, Inadmissible qu'un qu président qui finit son mandat euh, doit choisir euh, qui va le remplacer. Ça s'est dépassé. Encore une fois, si on respecte la démocratie, chaque parti doit désigner dans l'urne le candidat qui va représenter le camp. Mais on ne va pas dire euh, c'est mon fils, comme le cas du Tchad, on va dire c'est mon, mon neveu, c'est mon beau-fils beau qui va remplacer, qui va être à la tête du pays, juste pour conserver ses, les, les intérêts de son clan. Donc ça c'est dépassé. Malheureusement, on est encore là en Afrique, mais vous n'allez pas avoir ce genre de situation en Allemagne ou dans d'autres grandes démocraties, c'est sûr. Si on arrive euh, à, aux questions de. Parce que vous avez dit tout à l'heure, il y a euh, une question qui, on va dire, qui cache tous les restes. C'est la question de euh, Osman Sonko et les PASTEF, parti euh, d'Osman Sonko. Moi, ma première question est euh, ces partis, il avait des députés il y avait des maires. Nous avons entendu qu'il a été dissous. Qu'est-ce qui sont devenus les députés, les maires euh... Je parce qu'ils sont encore restés maires, députés. Pour le moment, en fait, c est, c est, là aussi, moi, souvent, je donne souvent des exemples. Vous savez, une entreprise, n'importe quelle entreprise, il y a des concurrents. Aujourd'hui, sur le plan, plan mondial, si on prend Apple et Samsung, sont des concurrents. Ça, c'est sur le monde entreprise. Il y en, mm. en a d'autres. Si on prend sur le, sur le plan sportif, le PSG et, le, et Marseille sont des rivaux. Apple avait le pouvoir. De faire un décret pour, faire, pour, faire, pour dissoudre Samsung. Ou sous, si le Paris Saint-Germain avait le pouvoir de faire juste un décret pour dire tiens, Marseille n'existe plus. Mais vous savez, est-ce que vous imaginez, excusez-moi du terme, le bordel où serait le monde Donc, parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, euh, l'APR, qui est le, président, le, régime, euh, le parti du président Maxal, a peur, entre guillemets, a peur réellement même, a peur du passé, eux, les ministres extra, le président Maxal, il faut un décret pour dire, tiens, on dissout PASIF. Alors que Passif, il y a des millions et des millions de Sénégalais qui sont aussi bien au Sénégal à la, à la diaspora, qui aiment ce parti, qui font confiance à ses membres, qui ont un projet politique et qui veulent voter pour eux. Ça, c'est pour ça, on peut vraiment se dire, que dans, comme votre question, est-ce que le Sénégal est réellement encore une démocratie Dans une démocratie, on ne doit pas procéder de cette façon. Et vous me permettez juste de revenir sur quelque chose qui Peut résumer la situation du Sénégal, c'est un proverbe en Wolof que je vais essayer de traduire en français. Entre guillemets, on dit quelle que soit l'adversité, quelles que soient les difficultés de la vie, tu dois pas aller boire l'eau des égouts. Vous avez l'eau des égouts, mm. autrement dit, euh, il faut essayer de vaincre son ennemi avec honneur. Ce, ce proverbe en Wolof, j'y reviens. Il dit que si, si toi par exemple, ta soif, Jusqu'à aller boire l'eau des égouts, demain, quand il y a l'eau, toi, tu vas avoir honte, tu vas dire « Merde, j'ai bu l'eau des égouts des, des, des des mm ». -hmm. Donc des pourquoi je restes. dis ça euh, On est dans une démocratie, une démocratie, c'est le débat des idées. Euh, chaque candidat vient, de faire, donne son programme sur table et le peuple soit librement en paix. Mais si on, dans une démocratie, on règle les problèmes dans les cours de tribunaux, Mmh. On, on, on exploite des, 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 des accusations de viol pour éliminer son, 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 son rival. Autrement dit, il y a des coups bas au-dessus de la ceinture, les gens ne respectent rien. Donc, si le parti de, du président Macky Sall, euh, tous les Sénégalais sont de, témoins... De quoi est-il accusé le parti euh, ah, Pour l'instant, je laisse la, la question important. de Osman Sonko de côté, mmh. oui. mais PASTEF. PASTEF, c'est Patriote Africain du Sénégal pour le travail et l'éthique fraternité. Donc... C'est très important la question. Mm. Passef, depuis plusieurs années, vous savez, est-ce que vous avez vu le, le, la fable, le loup et l'agneau Vous mm. l'avez lu mm. Ce qui nous écoutent l'ont lu. Donc, Andrew Game qui veut tuer son chien, l'accuse de rage, pour résumer. Actuellement, euh, au Sénégal, euh, Macky Sall et, le, et son régime, euh, son parti, essayer d'accuser euh, le, les membres de Passef, en tout cas Ousmane Sonko, d'être de, des salafistes. Ils ont tout 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 accusé. Ils ont tout fait. Mais c'est un parti, on va dire islamiste. C'est une connerie. Les Sénégalais sont pas bêtes. Dans Passef, j'en suis sûr qu'il y a autant de membres chrétiens que d'autres de musulmans. Là, il y a quelques jours où il y a l'Église catholique au Sénégal qui a fait un discours, une position pour dire, pour faire pour appeler à, une, à un scrutin inclusif. Depuis quand vous avez vu vous des catholiques mm. qui, qui, qui prennent la parole? pour dire on ne doit pas exclure soi-disant les salafistes. Ça n'a pas de sens. Et puis dans, dans, le, dans le parti PASSEF, il y a euh, un député qui, qui, qui fait beaucoup de choses pour soutenir PASSEF, qui s'appelle guy Maris Sanya. Il a même dit que peut-être c'est le numéro 2, ou en tout cas, si Ousmane Sonko ne présente pas, il peut être candidat, alors que lui, il n'est pas musulman. Alors comment vous voulez me dire que ce parti, il est islamiste et que des catholiques, ils, vont, ils peuvent venir être numéro 2 Alors c'est une connerie. Je vous ai dit qu'il veut tuer son chien, l'accuse de, de rage. Donc euh, ce donc, parti-là est, parti est euh, exclu parce qu'il est islamiste. Il est, pour, on l'accuse de pour, le... pour éliminer son ennemi, certains, c'est pourquoi je dit tout à l'heure, quelle que soit l'adversité, on ne doit pas aller boire l'eau des égouts. C'est pas parce que toi, on est... Vous et moi, nous sommes des rivaux, que je suis prêt à tout. J'ai ma dignité, je ne vais pas pour t'éliminer quand même, utiliser tous les moyens. Il y a des limites. Et on est arrivé au point où l'autre partie est même allé jusqu'à accuser Passef de fils Alors qu'entre Sénégalais, on se connaît. En tout cas, beaucoup de Sénégalais républicains ne croient pas à ces accusations. Sinon, Passef mmh. ne ferait pas, de, 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 pas autant de militants. Auprès de lui. Euh, en Europe, il y a des partis euh, chrétiens, démocrates. Oui. Euh, en, en Afrique, et euh, dans le pays musulman, il ne peut pas y avoir des partis, même islam, islamistes, oui, oui, ou démocratiques. Mais il faut pas les gens. Mais il si ne faut pas accuser les gens inutilement. Hmm. Et pas Donc, parce que euh, tu veux Si vous êtes musulman, si vous n'avez pas droit à un parti. En non, Afrique. Non, non, mais si, il y a des, des partis. Mais il ne faut pas qu'on veuille maintenant, pour éliminer la, le parti, utiliser ça pour le coller les motifs de terroristes ou autre chose, juste pour l'éliminer. Mmh. Ce n'est pas, pas républicain, c'est pas loyal. Mmh. Euh, il faut euh. être loyal dans, dans tout ce qu'on fait. Parce que demain, si vous gagnez sans les honneurs, ça n'a pas de sens. Si vous éliminez un parti euh, en, en utilisant des mensonges, euh, ce n'est pas, pas courageux. Alors, si on revient à Ousmane Sonko, mmh. il est accusé en quoi aujourd'hui? Euh, d'avoir violé une femme Non, non, ça, le juge, la, cette accusation-là, euh, finalement, euh, le juge a dit que c'était pas vrai. Mais au lieu de le libérer sur ça, mmh. ils ont trouvé d'autres motifs qui ont collé. On, en euh, quoi euh, En disant... Euh, corruption corruption de, 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 jeunesse, de jeunesse. Alors que le truc, ce n'était même pas euh, dans les accusations de départ. Donc, je veux te... Quoi qu'il en arrive, c'est comme le loup et l'agneau. Tu es responsable. Quoi qu'il en arrive, tu es coupable. Moi, je l'interprète comme ça. Et là, récemment, là, pourquoi il est parti En fait, là, il dit appel à insurrection. Après, ils ont dit qu'il avait volé un téléphone le jour où on l'attrape. Mais en fait, voilà, c'est vouloir éliminer quelqu'un sans les honneurs et être prêt à tout. Euh... Et c'est pourquoi ça revient encore. Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure euh, Séparation de pouvoir, indépendance de la justice. Justement, parlons de la justice. Il y a le juge mm -hmm. de. Euh... La ville où il était maire, qui a, euh, a rédigé que Ousmane Sonko devrait être réintégré dans la liste. Voilà. Euh, Donc, c'est pour ça on revient toujours à la séparation et l'indépendance des juges. Lorsque ce juge euh, du nom de Sabassi euh, Fayan, hein, j'espère que je ne me suis pas trompé du nom, a donné raison à Ousmane Sonko en disant qu'on doit la réintégrer, hum. il a même dit qu'on doit lui donner ses parrainages. Qu'est-ce qu'on a vu Le Sénat même a confirmé. On, trois jours après, Maxal a viré toutes les douze personnes qui étaient au Sénat, à la Sénat, qui est oh la oui, commission mais... électorale autonome. Comme motif que ces personnes, entre guillemets, euh, le président était à l'âge de la retraite. Alors que ces personnes, depuis plusieurs années, l'opposition disait qu'il devait les changer. il n'as jamais voulu changer parce qu'il disait des décisions qui t'arrangent. Qui, qui Maintenant qu'ils ont dit une décision de justice qui n'est pas dans, en faveur de toi, qu'est-ce que tu fais Tu les vires et normalement, sauf erreur de ma part, il y a aussi un article de loi qui ne permet pas de changer ses institutions, les membres de ces institutions, à moins de six mois d'une élection. Et qui gère aujourd'hui les élections Macky Makisal a nommé des gens de son camp, des gens de qu'on qu a vus, des militants. Euh, on avait dit tout à l'heure que Macky Makisal s'est retiré de cette élection. Makisal ah oui, est-il candidat à cette élection Il n'est pas candidat, mais il fait tout pour que son parti, ou en tout cas son poulain, puisse euh, gagner les élections. Parce qu'aujourd'hui, comment vous comprenez que, que nous, la commission électorale euh, donne raison à Ousmane Sonko pour dire qu'il faut donner ses fils de parrainage Deux jours après, on vire tous ses membres. On échange. Le juge qui dit appliquer cette décision de justice, vous refusez de l'appliquer. Et comment, on peut, comment maintenant les Sénégalais peuvent aujourd'hui avoir confiance à ce régime euh, Par contre, je veux juste préciser une chose euh, ça, ce sont aussi les limites de la démocratie. Quand quelqu'un est dans un parti, mm. il a des postes ministériels, en Afrique surtout. Je vais donner l'exemple des Japonais, mais au moins on sait que c'est des gens qui ont beaucoup d'honneur. Demain, vous êtes directeur, même votre train est en retard, vous êtes mm. prêt à mm. démissionner. Ça, Alors que nous, on n'a mm. même pas la culture de la démission ni quoi que ce soit. Mm. Tu t'accroches au poste pour avoir des, tes privilèges. Donc, comment aujourd'hui euh, un ministre... Euh, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, beaucoup de personnes euh, sont adhérents dans un parti. Ils sont prêts à défendre aujourd'hui, à dire que la vérité, c'est le jour, mmh. et demain, selon leurs intérêts, ils disent que c'est la nuit. On a vu le oui, ministre oui. de la Justice du Sénégal, à l'époque, il a dit partout que nul ne peut faire le troisième mandat. Il a répété 100 millions de fois. Quand il a voulu se conserver ses intérêts, qu'est-ce qu'il a fait Il a dit euh, non, il a, il, a, il a carrément renié ces paroles-là, en exact. voulant trouver d'autres excuses. Donc, ce que je veux dire, c'est que la démocratie, ses limite aussi, c'est que beaucoup de gens, quand ils sont adhérents dans un parti, ils n'ont plus de dignité entre guillemets. Parce que la dignité, la vérité, ça ne se varie pas du jour au lendemain. Mais la vérité reste toujours la vérité. Mm. Alors qu'on voit des gens qui, pour défendre leur poste, pour conserver leur poste. Est-ce que c'est en Afrique, où mais, ça se passe, ou dans le monde entier L'être humain, partout, c'est des êtres humains, mais c'est en Afrique quand même qu'on voit plus, le plus de ces problèmes-là. Mm. Et je voulais juste revenir sur quelque chose quand je parle de la solidité des institutions. Et là, je veux juste qu'on repart un petit peu aux États-Unis. Aux États-Unis, on a vu à l'époque. Donald Trump faire beaucoup de bêtises entre guillemets pour rester au pouvoir. On a vu quand ils ont envoyé, envahi, envahi, entre guillemets et le, le Capitole. Si c'était dans nos pays en Afrique, toutes les institutions, parce que le président du moment, c'est lui qui a le pouvoir, toutes les institutions vont lui dire, vont l'applaudir et vont aller suivre le président dans sa folie. Mais vu que aux États-Unis ou dans une démocratie normale, les institutions sont fortes et indépendantes, quand une personne veut faire des conneries, Personne ne va être avec toi. Tu es stoppé, tu es jugé. Là, aujourd'hui, il y a un procès contre Donald Trump. Mm. Maintenant, tout le malheur de l'Afrique, dans d'autres pays aussi, c'est ça. Le président au pouvoir, il nomme les gens euh, de, de, son, de son camp, et ces gens, beaucoup, font ce qui lui plaît. Parce que si tu ne fais pas ça, tu es viré. L'exemple de la Sénat est là. Mm. Donc ça, c'est un grand défaut, un grand, euh, un grand obstacle à la démocratie. Euh, quelles sont les options aujourd'hui pour euh, Pastef? Si Ousmane Sonko est en prison, euh, on avait entendu euh, beaucoup de, dans les réseaux sociaux, dans le beaucoup de médias africains et même sénégalais, que Sonko était un des favoris de la prochaine élection présidentielle. Qui va remplacer euh, Jusqu'ici, euh, les membres de PASIF refusent de dire qu'il y a un plan B. Mm -hmm. La semaine dernière, on a vu qu'ils ont, en tout cas, Osman Sonko a désigné, basé sur euh, qui est le niveau 2 voilà, pour qu'ils puissent faire euh, les parrainages, mais beaucoup d'observateurs pensent que c'est une stratégie que, mm. bah, le parce que euh, j'ai dit tout à l'heure au, dé, au début de l'émission que les parrainages il y a une, une façon de le faire avec les électeurs mais il y a une autre façon avec les députés, donc les gens pensent que ils vont faire parrainer pour montrer en tout cas que la puissance parce que c'est un véritable succès ce parrainage, mm. d'habitude euh, certains régimes au pouvoir ou certains partis payent pour que les peuples, pour que la, 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 les électeurs viennent parrainer. Mais PASSEF innove comme d'habitude et c'est l'électeur même qui vient parrainer et qui même donne de l'argent au parti. Alors que cette discussion envoyait l'inverse. Donc ça, euh, et il faut juste être aussi objectif et dire que PASSEF a un projet qui est solide, il faut le reconnaître. Et le, Ousmane Sonko euh, fait rêver beaucoup de... Beaucoup de Sénégalais. Il faut aussi le reconnaître. Mais il faut savoir que euh, Macky Sall, quand il y avait des problèmes avec Abdoulaye Wad, beaucoup de Sénégalais se sont mis à le défendre. Mm. Aujourd'hui aussi, le fait que Ousmane Sonko est persécuté, entre guillemets, depuis un bon moment par le régime, beaucoup de Sénégalais aussi sont euh, avec euh, Ousmane Sonko pour le entre guillemets, le, 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 soutenir. le soutenir. Donc, euh, malheureusement, ça aussi, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Euh, si on... Là, l'élection, elle va avoir lieu dans deux mois, le 25 février. Mm -hmm. Aujourd'hui, il n'y a pas de candidat, en tout cas déclaré, à part euh, Songo qui est en prison. et le numéro 2 aussi. Je pense qu'il est euh, en prison. Oui, même oui, oui, oui. Et, et le pire, c'est qu'on voit le ministre de la Justice à l'époque, qui est Ismaël Maderfal, mm -hmm. être devant tous les Sénégalais et dire qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Sénégal. Vous mm -hmm. imaginez un, un ministre qui dit ça, alors que les Sénégalais, aujourd'hui, il y a plus de 1000 et quelques détenus politiques des gens parce qu'ils sont membres de PASIF. Récemment, avant-hier, il y a un jeune homme, une personne en un Sénégalais. Il faisait un live à côté de la prison. On l'a attrapé, mis en prison pendant 11 mois. Vous imaginez mmh. mettre un, un citoyen en prison pendant 11 mois parce que juste il faisait un, un live à côté d'une prison ou même en face d'une prison, vous imaginez comment c'est grave. D'autres sont mis en prison pour, pour un oui, pour un non. Mmh. Et, et ces gens-là, du régime ou Maxime, même, ils ne comprennent pas pourquoi beaucoup de Sénégalais sont maintenant contre. Parce qu'un le, le, bon citoyen, un bon républicain n'aime pas l'injustice. Si l'élection a eu lieu sans, sans les PASTEF, pardon, mm -hmm. euh, quels sont les autres favoris de cette élection Moi, personnellement, je pense qu'une élection ne peut pas se passer sans, sans, sans les PASTEF. Maintenant, qu'il n'aille pas à l'étiquette des PASTEF, d'autres personnes vont venir euh, représenter entre guillemets, le PASTEF sans qu'il soit officiel. Et il faut aussi euh, reconnaître une chose les Sénégalais. Si Ousmane Songo, il y en a, entre guillemets, des gens qui disent que même si Ousmane Songo désigne son chat, les Sénégalais, beaucoup de Sénégalais vont voter pour le chat. Pour mmh. dire juste que le projet de passif, certes, il est incarné par Ousmane Songo, mais même si Ousmane Songo n'est pas présent candidat, demain, si c'est Guy qui va ou un autre, il y a beaucoup de Sénégalais qui sont de passif, entre guillemets, qui vont voter pour eux. Mais, le problème, c'est qu'il euh, y a plus de 200 candidats. Le système de parrainage va encore filtrer. Mm. Mais il euh, y a l'ancien premier ministre Aminatou Touré. Il y a beaucoup de candidats. Il y a l'ancien ministre de l'Agriculture aussi, qui est Gouidia, aussi qui est candidat. Il y a beaucoup. Il y a aussi, qui travaille avec Barack Obama. Il y a beaucoup. Euh, de, quand, de justement, personnes. ma question, c'était combien mm. il baisse euh, au niveau du poids électoral d'Ian euh, ouais Bon, après, il y a beaucoup de jeunes. Il fait son travail. En ce moment, il, est, il fait beaucoup de... Sa, sa, sa campagne. Mais la campagne n'est ne même pas encore démarrée. On a encore du temps. Mmh. Et une campagne électorale, ça se joue à, pas à grand-chose. C'est un... Voilà. On, on a le temps devant nous. Mais il faut juste reconnaître que le plus important, c'est que le Sénégal était jusqu'ici un pays exemplaire. Un scrutin, une élection, c'est le peuple qui doit choisir. Et donc... Personne n'a le droit. Pour moi, c'est une autre trahison qu'une un, qu personne lambda, même si tu es un président de la République ou un ancien président, c'est un crime pour moi de, de, de dire à la population un tel doit être un, un Canada ou, ou d'autres. C'est le peuple qui doit choisir librement qui veut les représenter demain. Parce que c'est l'avenir de, de toute une génération, de tout un pays. Est-ce que les Sénégalais ont perdu, on arrive presque au terme de notre entretien euh, de notre interview, euh, est-ce que les Sénégalais ont peur un système à la euh, Boutine, Dimitri, euh, ou euh, euh, Sall mais euh, mais va revenir mais sur l'arène politique Il peut tenter, mais je pense que moi, souvent, je donne cet exemple très simple. Depuis le début, je donne cet exemple. Mm. Chaque, chaque pays a son histoire, il y a le contexte. Moi, par exemple, je suis président, je suis ami avec certains présidents d'autres pays qu'on connaît. Qui sont au pouvoir depuis 30 ans, 40 ans, qui ont acheté des armes, qui veulent faire je ne sais pas quoi. Ça, chaque pays a son compte et sa population. Le Sénégal est différent. Donc, si tu as des idées que tu veux faire au Sénégal, tu peux échouer parce que le peuple n'est pas le même, l'histoire n'est pas la même, pas la, même euh, la, 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 la société civile n'est pas la même. Euh, vous savez comment la diaspora sénégalaise est dynamique. Mmh. Il y a le, le Sénégal, il y a même les chefs religieux, il y a, les contextes n'est pas l'homme, les, les acteurs n'est pas l'homme. Donc, si tu veux imposer certaines choses, tu peux essayer, mais moi, j'ai peur que tu échoues, parce que dans le passé, on a vu dans des élections où le président il donne des... où les chefs religieux ou d'autres, ils donnent des consignes de vote et les Sénégalais ne les respectent pas. Donc, le plus important pour un candidat, pour un président de la République sortant, c'est de faire son travail d'être bien un candidat pareil, on doit les juger sur leur programme. Un candidat qui a du charisme, qui, a un, un, qui est digne, intègre. Mais il y a plus beaucoup de sens que les Sénégalais votent pour, 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 pour toi. Mmh. Mais dans le cas contraire, euh, ben, on verra quoi. Et d'où je reviens encore à cette grille que je suis venu pour aussi expliquer aux gens de jeter un coup d'œil parce que c'est quelque chose qui permet en fait de rationaliser. Ça permet aussi de vraiment d'évaluer les candidats. Parce qu'on ne peut pas dans une élection juste voter par quelqu'un parce qu'il a les beaux yeux, mmh. parce que c'est un bon parleur. Mais c'est très important de choisir un président de la République. D'où euh, l'importance. Pour chaque citoyen de prendre ses responsabilités, parce que c'est l'avenir de notre vie aujourd'hui, c'est l'avenir de nos enfants, demain, des générations futures. Donc, on ne doit pas jouer avec ça, euh, exactement. Qu'est-ce que vous pensez Vous pensez que il va se passer après le 25 février Vous savez, l'avenir, hein, je ne sais pas mmh. pour lire <laughs> l'avenir, ça mmh. c'est sûr. C'est clair. Mais ce que je dis souvent, ce que je dis, je dis souvent, je dis que le président Macky je le dis, je le dis souvent, je le dis souvent. Il est jeune, entre guillemets. Et quand on est jeune, il faut penser à l'avenir. Le président Blaibad, il a quitté le pouvoir depuis 2012. Depuis 2012, il vit avec les Sénégalais. Donc, si, parce qu'aujourd'hui, le président Maxal a tout le pouvoir en main. Donc, il n'y a que Dieu, le pouvoir de Dieu qui est éternel. Donc, quand tu es au pouvoir, tu ne dois pas donner de la considération que les gens de ton parti. Les gens de ton parti en Afrique, ils t'applaudissent tous. Dès que tu dis, on te dit que tu es Dieu. Partout où tu vas, les griots, tout le monde te dit. Personne ne te presse de la, la vérité. Et toi, tu veux considérer maintenant le reste de tous les citoyens qui sont avec toi comme tes ennemis. Alors qu'on est tous dans le même camp, on dit un, au Sénégal, la devise c'est un peuple, un but, une fois. Donc même si tu es président de la République, il faut euh, avoir une certaine diplomatie, euh, faire de telle sorte que tu ne crées pas autant d'ennemis. Parce que demain, tu vas, le pouvoir va terminer pour toi. Tu es jeune, tu vas vivre 50 ans après avec, les, avec tes concitoyens. Comment tu vas faire si tu tu as t es tous mis en prison Tu as fait autant de mal. Comment tu vas faire ça, c'est une question que je me pose, toutes les questions, et la question que je me pose aussi, le dessin, Dieu sait qu'il a prévu, personne ne le sait. Imagine demain si Dieu, dans, dans ce qu'il trace, il avait tracé, j'ai pas dit que Ousmane va gagner, hein, Ousmane Songo, mm. Mm. imagine si Dieu avait dit que c'est Ousmane Songo, le président de la République demain. Imagine, est-ce que vous, soyez, vous pensez à la prestation de serment que demain, ah, mm. Sall il vient, Ousmane Songo. Quand Ousmane Sall va quitter le pouvoir, Ousmane Songo lui donne la main, il rentre dans sa voiture. Est-ce que, est que, est que vous imaginez ce, ce, cette chose-là, si Dieu avait programmé ça mm. C'est une honte, ce serait très grave. Et je me demande même, est-ce que si ça arrive, est-ce que Max Sall va être présent ce jour-là, avec tout le mal qu'il a fait mm. À mon avis, maintenant, ce qui est aussi une réalité, c'est que moi, je fais cette lecture. c'est pas parce que je suis opposant, c'est pas parce que je suis passif, mm. mais j'essaie d'être le plus objectif possible, d'être républicain. Mais les gens qui sont avec Maxal, Maxal lui-même, ils se considèrent comme un héros en disant qu'il protège le Sénégal contre les ennemis de la République. Il y a des gens qui veulent brûler ce pays, etc. etc. Du coup, la vérité, euh, mmh. ça dépend d'où on, je... on se pose. Mais sur ce fait, je ne pense pas que mettre autant de gens en prison, euh, entraîner autant de morts sur des manifestations, je ne pense pas que demain, euh, eux au pouvoir, ils peuvent avoir raison. Justement, pour euh, les personnes qui sont euh, tuées lors des manifestations. Est-ce qu'il y a des enquêtes ouais, Jusqu'ici, je n'ai pas vu de résultats d'enquête. Maintenant, s'il y a des enquêtes, c'est en cours, mais jusqu'ici, euh, personne n'a vu depuis que, que des personnes arrêtées. Mais le pire même, on a vu des forces de l'ordre faire une conférence de presse et dire qu'ils ne connaissent pas les nervis et si cela. Alors qu'on a vu d'autres médias qui sont appuyés sur le travail exemplaire des réseaux sociaux pour, pour montrer des d'énerver carrément, de se passer mmh, des armes bien, les, vu, tout, oui. tout, tout, le, en on fait les vu. gens n'inventent rien, toutes les images on, on vit un monde où euh, chaque téléphone portable est un média entre guillemets donc ceux qui font du mal ben, ont été filmés, tous les Sénégalais ont vu, on a compris que c'était pas ça la réalité maintenant jusqu'ici il n'y a aucune lumière qui est faite, malheureusement Merci euh, Ibra nous arrivons au terme de notre de notre émission, mais euh, nous n'allons pas finir avec le Sénégal avec euh, cette interview. On va revenir encore. Euh, il y a des élections qui vont arriver. On espère qu'il y aura des débats euh, sur la voie du Djibouti, la voie de l'Afrique. On espère aussi bientôt. Donc euh, vous êtes, vous allez être de nouveau invité. On espère que vous allez être là. Et euh, donc le Sénégal, euh, la question qu'on se pose toujours et qu'on avait commencé. On aimerait bon. que vous nous répondiez, le Sénégal est-il toujours une démocratie? Vous savez, vous savez, le Sénégal, je pense que je ne peux okay. pas dire qu'en ce moment, vraiment, ce qui se passe, je ne peux pas dire que c'est une démocratie. Parce qu'une démocratie, les citoyens, les journalistes n'ont pas peur de dire la vérité. Mm. On ne met pas en prison des gens selon leur opinion politique. Pour moi, euh, on traverse quand même une, une zone de turbulence très grave au Sénégal. Mais l'essentiel, c'est que... Le Sénégal, il y a beaucoup de. En tout cas, il y a beaucoup de, 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 de bases qui font que, même s'il y a des petits soucis, souvent. Vous savez, cette, cette histoire-là, c'est grave, cette histoire qui se passe au Sénégal depuis un moment. Parce que souvent, j'ai des collègues, euh, parce que je ne suis pas que journaliste, j'ai des collègues qui se permettent, même de dire du Sénégal, certaines choses vraiment. Très grave. Alors que ces gens-là, leur pays, ils ont presque 40, 40 ans de le même président. Donc, si ces gens-là se permettaient, permettaient aujourd'hui de dire du mal sur la démocratie sénégalaise, c'est parce que ça n'en va pas. Et je leur répondais ne vous inquiétez pas, on a juste quelque chose à régler en ce moment au Sénégal. On va le régler et le Sénégal va devenir comme, comme il était avant. Donc, c'est des petits jours de turbulence, ça dure quand même depuis un, mois, un, mois, un an ou deux ans, mais Inch'Allah au au lendemain du 25 février, le Sénégal redeviendra ce pays, cette belle vitrine de la démocratie. Merci encore, euh, Ibra, Kati, euh, NDI. Merci d'avoir accepté notre, notre invitation. Merci beaucoup, la voix de Djibouti. Merci de m'avoir vraiment permis d'apporter de, en des informations sur l'État du Sénégal. Merci à vous et à tous vos auditeurs. Merci à vous.